Donc ça, j'avais vu. Non, c'est une pause miam. On n'est pas mort. Par contre, j'ai un peu, j'ai mal à la tête, quoi. J'arrive pas à être raisonnable. Ouais. Alors, je suis assez partagé. J'aime bien et j'aime pas le solo self-hand. C'est-à-dire que si on fait des builds qui sont faits pour être solo self-hand et qu'on va se concentrer sur la partie gameplay, c'est sympa. Pas si la musique est trop forte. Voilà. Donc si on va se... Comme ça, je peux aussi mettre un petit peu le son du jeu. Si on se concentre sur la partie gameplay, avec un build solo self-hand, donc juste sur la façon de jouer, ça peut aller. Maintenant, si on a envie de tester des trucs, solo self-hand, je pense que c'est une très mauvaise idée. Actuellement, disons que j'en ai fait un petit peu les frais. Ouais, ça va, c'est encore jouable. On est réussi à monter jusqu'au level 55, ce qui est assez étonnant, avec un perso pareil. Ça m'embête un petit peu parce qu'il va falloir maintenant changer de skill et repartir sur des skills mêlés. On a un arbre qui est tout à fait honorable, mais si on regarde un arbre comme ça, c'est un arbre qui irait bien au niveau 80, avec... toutes les classes, enfin avec tous les labs, tous ces points d'ascendance, de manière raisonnable, on prendra encore tout ça, et ça aussi éventuellement, le petit point qui est là, et derrière on prendrait des damage quelque part à droite ou à gauche. Tandis que là, ça jouera pas. Là, on va taper dans un mur. Enfin, on va pouvoir monter en level lentement. Et on va quand même éprouver des difficultés. C'est pas un gameplay qui va être fun. Ça se rapproche plus du parcours du combattant où on a quand même des dégâts. On a quand même des dégâts, mais on va compenser l'absence de dégâts dans l'arbre par du gameplay. Alors, c'est assez bizarre de dire ça. D'un côté, c'est assez troublant, mais c'est quelque chose qui est possible dans Path of Exile. On peut combler beaucoup de lacunes par du gameplay. Actuellement, ce build pourrait être viable si on avait le double de strength. Attendez, je vais juste couper le micro une seconde. Ce build pourrait être viable avec 1000 de strength. Bon, c'est dur à avoir au level où on est, mais avec 1000 de strength, il y a quand même des débouchés, il y aurait des choses à faire. Là, les deux points qu'on a en mana, on va les virer sous peu, hein, ils ne servent pas à grand chose. Éventuellement, si on a un problème de survie, on peut prendre encore... Ouais, ça sert à rien. On pourrait presque faire Rightus Fire avec ce perso. Hein. On prend un arsoniste, ça, et on est parti. Là, on va prendre une Jewel pour 2 points pour essayer de récupérer des dégâts. Le self-hound, c'est le fait de ne pas trader, d'utiliser seulement les choses qu'on va trouver soi-même et de se débrouiller avec les crafts. En général, on va contrebalancer en se servant de son arbre. Moi, j'ai découvert un truc hier avec le Shadow et avec Animate Weapon qui était vraiment bien. Ça, je pourrais le remettre en ligue, mais d'un autre côté, sans avoir les items qui vont avec, c'est pas terrible. Là, si cet arc par exemple, si j'avais eu un 125 tout court, ou admettons qu'on trade le minimum, bah j'aurais acheté une Priest Wave pour crafter 100% un crit physical damage sur l'arc.
J'aurais mis un régal et j'aurais eu un arc qui aurait eu les mêmes dégâts, mais en physical, uniquement. Pas en élémental comme on a là. Après, si c'était pas une raid, c'est qu'on pourrait jouer plus longtemps. Enfin, si j'ai plus de temps. Ah, j'aurais vite remonté un perso avec Tulborn et puis Templar, on serait monté très très vite. Et il a 11 h. Bon, on a une race qui est particulièrement difficile, mais c'est vrai que ceux qui sont forts en race, ils sont déjà en map. Et ils sont déjà presque au niveau 80 en 11 h. Ah, pas tout à fait, mais presque. Là, on a eu de la chance, on a looté une carnage. Ah, le up. Le 6 socket, on l'a looté aussi, dans une box. Avec du bon stuff, on aurait déjà quasiment 4K. Et ça va monter. Alors maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin et de survivre. Donc, on va mettre une G-Well pour se préparer pour. C'est quoi ça? Merci. Merci pour tes vidéos sur un grand GG à comprendre temps et un grand GG pour le bouton. Ah, j'ai entendu le son, ça marche. Alors en fait pour là c'est la voix canadienne pour les je sais plus, on a mis des voix différentes. Ben, merci Mario, ça fait plaisir. J'ai quand même mal à la tête, je suis désolé. Mais c'est cool. Ça fait une bonne énergie. Mais je crois que même si je reçois de la bonne énergie, il faut quand même que je diminue un petit peu le rythme. Parce que là, je fais quasiment tous les jours des lives de 10 h, 12 h, 16 h. Ça commence à être beaucoup. Ce ring, il est juste phénoménal, hein, si on regarde. Un gros roll de life. De résist. On peut crafter encore. Si on avait le rond, on pourrait mettre du flat fizz ou d'autres choses. Là, les vols 35. Mais la race, indirectement, elle m'embête un petit peu dans le sens où les invasions boss. Enfin, si on fait du poison, on est tranquille dans les méta actuels avec ce perso. Mais les invasions boss, ils sont juste vraiment infects. Et là, j'ai bouffé plein de currency pour mettre ce casque qui est pas terrible. Bon. Le but du jeu, c'est d'aller faire le lab. On va prendre au lieu de prendre, si on avait du stuff et on aurait mis des dégâts, on aurait pris Brutal Fervour pour être très très bien. Mais là, on va prendre Ban of Legend. Actuellement, on a 600 HP par seconde de Leech Rate. Si on prenait Ban of Legend, on aurait 900 à peu près, presque 1000. Et tout ça, c'est fait pour des armes à deux mains, hein, de toute façon. On va voir dans quelques levels si on lui équipe ça. Donc, Carry Chopper, ça arrive vite. Le même build avec une Carry Chopper, vous voyez, la photo, on va taper trois fois plus fort. Oui, il faut que je fasse plus de repos. Puis là, j'ai aussi passé une période assez difficile. Un petit peu la disette, mais j'ai beaucoup de soutien. Donc on m'a amené des courses, c'était arrivé au bon moment. Et maintenant c'est bon. Mais non, là j'ai fait. J'ai trois gâteaux depuis ce matin, ça c'était pas raisonnable. On est quasiment 10 levels au-dessus de la zone et on a failli crever. Une grosse différence qu'on a aussi au niveau du solo self-farm, là ce que j'ai pas trop aimé, j'ai fait la race comme un fou. Non, c'est la race là, c'est la race. Ce que j'ai pas trop aimé là-dedans, c'est que comme j'ai des persos qui demandent un gros gameplay, celui-ci par exemple, bah, je pouvais pas trop partager sur le live ou des choses comme ça. C'est quelque chose que j'ai pas trouvé sympathique. Je préfère faire un live où on partage des choses. Je voulais aller plus vite que ce qu'il faut.
Ah, par contre, c'est 23h. Donc, comme il est 23h, il est le moment de voir si Locke est prêt. Si on peut aller faire la récolte d'Locke. Donc là, Ilok, non, il y a toujours des brèches. Donc on ira. Ce sera pas pour aujourd'hui. Ce sera peut-être Ilok, merci, laisse. Là, je vais continuer un petit peu tant que ça va. Et quand ça ira plus, bah, je vous dirai rapidement bonne nuit. On verra ce que ça donne. Et ici, on curse avec Lightning Arrow. On met du temps pour avoir nos Frenzy Charge. Tarot est devenu vraiment un skill qui est réservé aux raiders, aux rangers, aux dead days, dans le cas où on est pris de chez lui. Mais ce perso, il peut prendre des punitions, mais vraiment hallucinantes. Hein. Le truc, c'est qu'on loot beaucoup de choses qui ne servent pas forcément à grand chose. Oula. On prend des stuns. Non. Bon. Je vous dis, c'est un machin qui demandait du gameplay. On peut même pas voir ce qu'on a rip. Au niveau 0. Le golem était mort. Ah, c'est couillon ça. Bon, c'est pas grave, c'est ce qui est. Faire ses brèches là maintenant. On a quand même du stuff, on a des auras, on a un bino. Des auras avec une witch, je pense pas que ce soit. Peut-être qu'on attrape une deuxième paire. Eagle to Lightning. Lightning Strike. Et la Witch, elle a pas beaucoup de nodes en élémentaire. On a un Ring of Blade. On a des Sibylles. C'est bien. Mayhème, vraiment la Mayhème. Je suis mon heure, c'est fini. Ah, comment on peut sauver cette rite? On n'a pas tout rip. Là, il faut faire un truc marrant. Pour la survie, son HP,
On a tout. Ça, par exemple, sur un shadow, c'est bon, on part sur du crit, ça fait mal. On a une agile harmonie. On n'aura pas de projectile damage. On pourrait faire spectral throw avec Owa. Plus un fist to lightning. Non, mais c'est pas ça. Mais... Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à être stunlock. Pas à ce niveau-là. Et le temps que je comprenne ce qui se passe, j'ai cru que j'avais plus de mana. Après, j'ai réfléchi. J'ai fait, mais on n'a pas Mind Over Matter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et le perso, il bougeait pas. Et. il y est passé. C'est pareil, c'est un low roll. On va trouver une solution. On va pas rester hein, comme ça. On a aussi les Slitter Pinch qu'on a looté. Monter avec des sorts, c'est en général pas terrible. Et, bon, on a un spell totem qu'on a sauvé. Elle a des notes de mignon. Il faudrait des notes de duration. On n'a pas trop investi en mignon non plus, mais on n'a pas les Jewels qui vont avec. Ah, c'est pas terrible si on voudrait utiliser Owa. Owa, ça a l'air pas trop mal. Il en faudrait une deuxième, donc il faudrait pouvoir faire des brèches et survivre dans les brèches. L'Animate Weapon, ça a montré qu'en 4 links, ça fonctionne relativement bien. En tout cas, pour toute la phase de leveling dans un casque mignon plus 1. Oui, mais surtout solo self-found. Là, on refait un perso équipé, on n'en parle pas, je suis sûr qu'on les déboîte. Éventuellement, je crée un compte en soft, et ceux qui sont en soft, hein, genre cravate, il me prend les items qu'il faut, vous allez voir. On va aller. Mais du coup, on sera plus en solo self-found. Quand on n'a pas pris spell damage, on va rien faire avec les sorts. Donc ça, c'est un arbre qui va bien quand on a du stuff pour compenser. Maintenant, si on met un summoner ou si on met SRS, ça devrait passer. J'ai pas envie de jouer SRS. Là, avec les deux, à partir du moment où on va tirer, on va avoir pas mal de live gain hit. Et on va récupérer à chaque fois 7 HP. C'est pas beaucoup, mais à ces levels-là, ça peut être pas mal. Zombie. Mignon 10 000. De toute façon, les levels, ça compte pas grand-chose. Il nous reste un Animate Weapon. Donc ça va bien ensemble. L'autre chose qui m'embête un petit peu, c'est que monter un perso dans la bêta, j'aime bien. Mais là, je me suis aperçu, après avoir joué la bêta, que je déteste Cruel Merciless, recommencer les mêmes choses. On va faire quelque chose de bien. Déjà, avec ça, on peut aller loin. On peut déjà faire du endgame. Il suffit d'aller prendre la power charge, il faudrait monter au level 24. Il faudrait en avoir un deuxième. Je sais pas si on a un bon shield. Non. En fait, on a des items qui vont pas bien ensemble. On a ce qu'il faut à peu près pour des attaques, mais avec une witch, c'est pourri. Bon, je crois qu'il faut laisser tomber l'aspect. Innover et faire un build super marrant hein, qui démarre dans la bêta et que ça en met plein les yeux, enfin, qui est super fun à jouer, ça va pas marcher. Ça, c'est sûr. Voilà, on n'a pas perdu, hein. Je veux dire... C'est juste reculer pour mieux sauter. Quand même de gros items. Vous voyez, on a un pinot. On pourrait monter un shadow avec ça, on est quasiment tranquille. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on pouvait avoir le unkilled
Animate Weapon nous donner un effet unkill, il va nous falloir en tout cas Spell Totem, Animate Weapon, Minion Damage. Ça suffit. Le problème, c'est que le Spell Totem, il est super lent à caster. Donc on n'arrive jamais à avoir le max d'Animate Weapon, elle dure pas assez longtemps. Donc éventuellement, il nous faudrait du Caspeed, plutôt que de mettre un arc et des flèches, avoir des sorts qu'on envoie, genre Firestorm, et on bouge, et puis on bouge, et on s'en fiche. Alors, on a récupéré Stamp Prison, normalement aussi, comme baguette, qui est une bonne baguette pour attaquer, mais pas pour caster. On a quoi? Delitas. Ça, c'est quand même relativement bien pour Discharge. On a une Fox Shade. On des Ondar, c'est pas top. Des Sibyl, bah, c'est une grosse survie. Jewel, Glacial Hammer, ça va pas nous servir à grand chose. Par contre, on a un Ring of Bleed. Et on pourrait l'utiliser assez vite. Pour ça, il faudrait prendre une Raider, je pense. Enfin, un Ranger. On a directement une note de projectile. Ou un Shadow et partir sur du crit. Le Shadow va monter assez vite. Sauf que là, il faut caster. Trouver un truc qui soit plus efficace contre ces monstres, il faut avoir un très bon single target. Parce qu'on veut exploser à la fois les exiles et les rogues. Là, on pourrait y aller summoner. On a une side breath. ...12% minion speed, plus maximum life. Ça m'a l'air une bonne idée. Ok. Ensuite, on est bientôt level 18 et on a un Ashcaller qui nous attend pas loin. Etrid, ok, on va voir. La Witch, je pense pas que ce soit la bonne classe pour ce qu'on va faire, mais j'ai plus envie de jouer avec un arc là. Là, on a une Queen Décret qui est item level 42, mais le rôle est encore pas trop mauvais. 15% life, 14% damage, un zombie en plus. Ok. Le problème de la Witch, c'est qu'on a 0 en projectile damage. Absolument rien dans son arme. Moi, j'ai à voir combien elle tape. Mais à mon avis, elle tapait pas très fort. Elle était restée bloquée à la prison. Il va nous falloir des bots avec du movement speed, on avait des Victario. Level 12. On est tout de suite. Level 12 aussi. On va tenter quelque chose. Ça, c'est la survie de la Gunite. On n'a pas de HP, on n'a pas de S. Speed.
DS. Il va falloir la DEX pour l'animate weapon. Je rappelle, shot, on ne l'a pas utilisé. Cross bomb, moyen, moyen. On va être déjà des zombies pour occuper les monstres. On en a 4. Ils vont pas faire beaucoup de dégâts, surtout à l'état actuel. On pourrait mettre Victorio, en attendant on peut mettre ça. On a des bottes. Une armure. Des rings. On n'a pas accès en During Cry. Je sais pas encore, on va regarder ce qu'on peut faire. Parce que là d'un côté c'est un peu la frustration, on s'est fait déboîter. On s'est vraiment fait déboîter. C'est pas très drôle de rester en miettes. Pas se laisser faire. Faut voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et si on peut faire un truc viable, si on peut remonter rapidement. Il y a quand même pas mal de choses qui ont survécu. La witch, ce qui manque. Bon, elle... On a déjà fait le plus long avec elle, là, c'est la phase de démarrage, elle est faite. On avait des bonnes baguettes. Les gants, on va mettre ça, c'est réglé. On a looté une paire qui est une nouvelle 13, 3 links. Voilà, on n'aura pas le link. On va perdre en caspid, mais le caspid qu'on perd, on le récupère avec ça. Il faudrait mettre des rings. Donc déjà, il nous faut un 3 links et un 2 links. Récupérer une goutte de Dex. Les gants, c'est bon, il faut mettre des rings. Bon, ça, c'est sympa. Pas sûr. Adex. Déjà, on peut équiper Animate Weapon. Non, il nous faut une armure. Est-ce qu'il nous faut des links? Il va falloir un sort. On n'a pas accès à l'acte 2, donc on peut pas mettre 1000 choses. Non, mais c'est horrible hein, quand on a fait la bêta de rejouer autrement. Voilà. Dans le link. C'est bon. Par contre, si on met ses gants, ça va être contre-productif ici. Maintenant, il nous faut quelque chose pour faire des dégâts. On puisse buter les monstres. Sort. On a 3 links ici. On pourrait mettre un sort en 3 links avec une deuxième baguette. Voilà. Je sais pas si on a rip nos baguettes déjà.
On avait de belles baguettes. Celle-là, elle est bien, mais elle a pas un level of gem. D'un côté, on est quasiment level 12. Ok, on part comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les gemmes niveau 1 vont faire 0 de dégâts. Bon, on va prendre la température, on va là au bord de la plage. On prend une fireball qu'on met là-bas dedans. On va prendre nos minions et voir ce que ça donne. Voilà, on a des cadavres. Maintenant, il faut essayer de faire un level et survivre. On va démarrer. On va voir si les minions ils sont efficaces ou pas. Je doute un peu, mais. Que nos minions pourront tuer Brutus. Ça m'embête de faire un simoneur. Surtout qu'il y a des exiles avec essence draine, on va se faire ouvrir. Ouais, les zombies ils vont servir à rien. C'est tellement lent comme gameplay. Bon, ça a l'air de marcher.
caste pas assez vite. Un multi-totem arc, je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Là, moi je devrais recommencer avec un autre perso. Là, c'est quasiment sûr. On n'a pas assez de casse-speed pour avoir 1000 animat weapon. On va jamais être à 50. Je pense pas qu'on arrive à buter Brutus dans ces, dans ces conditions. Et dès qu'on va arriver sur un pack, on va exploser. Seul moyen avec une witch dans ces cas-là, c'est de prendre Firestorm, c'est le plus rapide. C'est tout le monde. C'est un peu triste. Il faudrait des bonnes oculaires pour que ça fonctionne. Il faudrait les jewels qui vont avec. C'est beaucoup trop lent. C'est le truc qui m'embête un peu. Si on a une witch, c'est Firestorm en général. Plus efficace dans des environnements qui sont dangereux comme cela. On peut aller voir Brutus, mais je pense pas qu'on fasse grand chose. Si on va, on prend des H-Color, on pourrait utiliser Power Siphon. Pourrait fonctionner. Ça, je mettrais bien, mais si on utilise un spell totem pour les animatropones, il faudrait vraiment avoir la casse-speed, on n'en a pas. C'est assez fort. Là, on a des bonnes baguettes pour jouer. Mais ça irait très bien pour un trappeur. Bon, on essaie Brutus et on voit après. Il faudrait avoir les jewels pour les animat weapons. Quelques milliers, ou peut-être une dizaine de milliers déjà. Fireball, 100 balles fireball, c'est pas top. Ça fonctionne bien. C'est pas fichu, hein. Mais je suis pas sûr d'avoir envie de jouer comme ça. C'est un living que je connais et que j'ai déjà fait 500 fois. Enfin, pas avec Animat Weapon. Mais non, si on met pas ça comme gant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme gant? Là avec les HP qui est là, il faut pas, voilà, les invasions boss, ça va être la fin rapidement, hein.
absolument qu'on ait de la haute. Voilà, là on a Shiver Shell. Danger. On a bientôt plus de zombies. C'est vraiment la plaie, on peut pas aller avec un petit build qui est entre deux trucs. Il faut vraiment avoir un truc qui fasse des dégâts et qui joue fort. Il faut partir avec des attaques. Les sorts ils vont être vraiment trop boiteux, il faut qu'ils prennent de l'XP, du level. D'un côté. Si on utilise les offrings, ça peut être marrant. Mais devoir cliquer, caster un sort tout le temps, c'est mieux de se balader entre les monstres. Du coup, il faudra aller chez le Templar, chercher les nodes de zombies et de minions qui vont bien. J'ai jamais joué à Diablo. Jamais. Ce qui est contre-productif, c'est qu'on a besoin de, casse-pied pour notre totem. Et ici, faire un perso hybride, je le sens pas trop. Hein. On a des fois jusqu'à 3 ou 4 fois l'exile qui a essence drain. S'ils ont assez de dégâts pour buter Brutus. À côté, on pourrait utiliser Firestorm, c'est les mêmes notes de duration que pour Animate Weapon. On a un Black Heart pour un futur reroll. Avec les notes de minion, les Animate Weapon elles font mal. Et jouer low life, ça m'effraie un petit peu hein, dans ce contexte là. Ou alors il faudrait très rapidement chercher le maximum de zombies qu'on puisse avoir. Des bonofulaires. Ce serait plié. Monster Race, les zombies, ça sert à rien. Notre armée d'Animate Weapon, si on n'en a pas 30 ou 40, ça sert à rien. À mon avis, c'est mal barré. Je vais prendre une boisson et...
On va sûrement en faire un rôle. Donc la petite boisson. Voilà, après 2 jours dans la race, si on veut faire un perso en solo self-found qui soit à peu près acceptable, il faut prendre une classe qui ait beaucoup de dégâts et qui tape très fort. La survie c'est bien, mais les secondaires ici, parce qu'il faut qu'on clear rapidement tout l'écran, donc il faut qu'on ait de la haut et des dégâts. Donc éventuellement un shadow, c'est vraiment une des meilleures classes à ce niveau-là. Et puis, on peut toujours mettre un petit Catlink avec un spell totem ou quelque chose comme ça qu'on balance partout à l'écran. Allô? Sinon, je vois pas comment on peut avancer dans ces conditions. À mon avis, le Shadow est le meilleur. On peut partir crit. Un perso énergie shield, tant qu'il est pas CI, il est mort à cause de l'autre qui a essence drain. Donc, low life, c'est super chaud. On a plusieurs fois à cet exile qui est terrible. Et j'ai vraiment envie d'aller faire ces brèches là. Elles ont pas été farmées pour rien. La bêta elle va recommencer bientôt avec l'acte 8, donc on peut même attendre un tout petit peu. La witch, si on avance un tout petit peu avec Tulborn, ça va être la fête. Mais entre maintenant et Tulborn, ça va être l'enfer. Et au niveau de sa classe, comme de la witch, c'est vraiment des sorts pour monter en level. Là, on n'a rien qui va nous donner des dégâts. On peut pas attaquer avec des armes. Et les sorts à bas level, si on n'a pas une tabula et on est en 6 link, ça va être très moyen. Un shadow, ça pourrait être très bien. Non, le Shadow il est fragile, mais pour le leveling il est extrêmement fort parce qu'il va faire beaucoup de dégâts avec des armes. Bon, un maraudeur, un dueliste aussi, avec des attaques qui vont être très forts, une ranger aussi. Mais le Shadow il a toutes ses notes qui double dip. Donc si on part sur un Catlink avec du poison par exemple, eh bien toutes ces notes là vont compter double. Si on prend après des notes de projectiles, elles vont compter sur le Onit et sur la dégène. Donc à ce niveau là il est très fort. Maintenant, le problème du Shadow, c'est qu'on n'avait pas d'AOE, on n'avait pas de Pierce. Donc éventuellement, on pourrait faire un Dead Days pour avoir du Chain. Donc, c'est clair qu'il faut aussi du Crit. Et après, le Shadow, c'est vers level 50 où on va avoir de gros problèmes de survie pour faire les labs ou des choses comme ça. Avec un Summoner, on va avoir un démarrage qui va être extrêmement lent. Et dans cette ligue, ça n'ira pas. Là, c'est sûr que ça n'ira pas. Nos minions ne vont pas survivre. Ils vont se faire exploser par les invasions boss, ils n'ont pas assez de dégâts. Si on avait des bonus Uller, on en aurait 4. On aurait 5 zombies. On pourrait monter rapidement à 6, en 5 points. Mais 6 zombies qui vont se faire des pop instantanément par un invasion boss, du coup on n'a plus rien. Après il faut les remettre. Et si on avait un baron, ça pourrait rendre un summoner entre guillemets viable, mais il faudrait une Astramantis. La Carnage Earth, on vient de la perdre. On avait tout ce qu'il fallait pour monter un summoner. Là, on a plus ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour monter. Enfin, on a aussi des gants qui ont du spell damage. Comment on peut.
pourrait faire un truc. On va juste regarder ce que ça donne. Crit ou pas crit, crit. Silence a big mouth, get a big payout, and no one was going to be the wiser. Tidy, except for one loose end, me. I would have kept my mouth shut, professional and tech. Is it possible to murder someone who's already dead? Une petite idée en fait. Juste faire un essai. Les attaques sont très fortes, ça c'est normal. Mais... En FN Coil, c'est fini aussi. C'est du passé comme un... Bon, fin du test avec le Shadow. Donc on va pas faire de trappeur. J'hésite. Et vous vous rendez compte que j'ai un silver orange qui est perfect. J'ai joué ça en fait. Ah non, on n'est pas en stand là. Quand on perd le perso, il est mort. Si, il meurt définitivement. Je suis coincé là. J'ai vraiment pas envie. J'ai pas envie de mettre une mauvaise énergie, mais j'ai pas envie de refaire un build que j'ai déjà fait 15 fois. Par contre, faire du crit avec ça, j'ai jamais fait. Bloodplay, normalement, ça tape relativement fort, mais c'est corps à corps. Et ici, corps à corps, c'est la mort. Hein. Par contre, on a une Jill. On a Action Perpetuum qui est juste monstrueuse aussi. Justement, je suis en train de chercher. J'ai les paramètres de la ligue en tête maintenant, donc je vois comment ça va se passer. Je sais qu'on va prendre super cher. Donc il faut qu'on soit stuffé, enfin, si on veut aller assez vite et si on veut remonter assez vite, il faut qu'on ait un build qui a un gros single target et de la OE. Pas évident sans les jewels. Ça c'est pas mal aussi. Ça c'est génial. Mais il faut qu'on ait du pierce ou du shining si on utilise un arc. Et un arc, c'est pas très fun. Actuellement, on n'a pas un gros single target. Par contre, j'ai vu qu'on avait des Rimnor. Ça tape relativement fort. Pas mal. Il faudrait la prophétie derrière. Ça, c'est absolument génial. Mais tant qu'il y a l'autre exile, on peut pas. Ça sert à rien, on mourra instantanément.
On n'a pas beaucoup d'items de caster au final. Pas sûr que le Shadow ce soit la bonne classe. J'aurais tendance à prendre une Ranger et à potentiellement un Dead Eyes. Mais le problème c'est que le Dead Eyes, on n'aura pas de bénéfice tant qu'on n'aura pas fait le lap suivant. Si on prend un Hiérophant, je sais que ça fait rire tout le monde, mais on a les Power Charge qui sont pas loin, à level 20. On peut en... le Hiérophant a un meilleur arbre que la Witch pour les Power Charge. Parce que la Witch, elle doit faire 3 points pour la prendre. Alors que lui, il va mettre 2 points pour en prendre une. On a Elemental Overload. Et on en prend encore une ici et du crit. Oui, oui. Non, non, non. Si t'as un perso en Ligue HC, il va basculer dans la Ligue Standard. Et si vous avez un perso en Solo Self-Farm Hardcore, il va basculer dans la ligue solo self-farm softcore. Et après, on peut leur basculer. Et si on part un peu sur le glace canon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20. Cast un crit, ce serait l'idéal, mais il faut vraiment du crit. Et ça démarre pas avant le level 38. Pour la gemme. C'est vrai que j'ai jamais fait un cast on crit qui fonctionne. Et actuellement, le problème qu'il y a dans cette ligue, la plupart des monstres ont des résistes. Donc il faut qu'on puisse passer à travers ces résistes. Là, il y a plein de choses que je ferais, mais j'ai pas des Imsoro. Avec ça, on va voir où ça nous amène. J'ai une idée. On va bricoler quelque chose. On prend celui qui a le max roll de life, enfin de life d'ionite. C'est une perfecte. On a looté une perfecte. On va prendre Shrapnel Shot, le Pierce. Normalement, j'en ai acheté plusieurs. On n'en a pas. On split. What little help I can offer is yours. Il n'a pas la Niro. On va switcher sur la Witch. Ça aide bien pour les boss. Ça va donner un single target. De temps en temps, ça va couvrir un petit peu. On va éviter les brèches. Ça, on mettra pas. De toute façon, il n'y a rien de plus rapide qu'un arc, je l'ai répété maintes et maintes fois.
à des mortes et morceaux perfectes, une.